Salut les bandits, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Apex. Alors au programme, beaucoup de petites news qui devraient vous faire plaisir. On va tout d'abord continuer de parler du post sur Reddit du Ask Me Anything. On a eu beaucoup de développeurs de chez Respawn et de personnes qui travaillent chez Respawn qui ont répondu aux questions de la communauté. J'ai continué de creuser ce post, il y a beaucoup d'informations intéressantes qu'on va avoir. Comme par exemple le niveau de puissance des futures légendes, les 120 FPS sur console, des choses comme ça. Je vais vous parler aussi de Apex Mobile, on a eu un bon post sur Dexerto qui fait un petit récap de toutes les informations qu'on a sur Apex Mobile qui devrait sortir prochainement. Et ça c'est quelque chose qui, je pense, nous intéresse tous. Pas forcément pour y jouer, moi je vous avoue que c'est pas un truc qui me passionne. Mais par contre, d'un point de vue développement du jeu, licence, c'est hyper intéressant. Je vais vous parler d'un bug assez ouf que j'ai trouvé sur Reddit qui permet de se soigner sans perdre de vitesse. Alors un bug, plutôt un exploit, on en parlera, je peux vous expliquer comment faire mais je vais vous montrer ce que c'est assez choquant. Et enfin je vais vous parler de pas mal de petites trouvailles et voilà, on va faire une petite revue du data mining de ces derniers jours avec notamment le travail de Schroctal. Voilà, c'est pas des trucs en mode je vous donne la légende de la saison 11 mais plutôt par exemple des petites informations, des petits détails comme la possibilité de voir dans le futur des drops arriver sur Apex comme ça peut exister sur d'autres jeux. En regardant par exemple des compétitions sur Apex Legends, donc on en parlera. Comme d'habitude, mes chers bandits, si jamais la vidéo vous plaît, on va faire un test, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. D'ailleurs, on peut essayer de faire un petit test sur cette vidéo, peut-être arriver aux 3000 pouces bleus, voir si c'est quelque chose qu'on arrive à faire, voir si on arrive à mobiliser la communauté. Je compte sur vous, ça m'aide énormément et ça me permet de voir un petit peu de quelle façon la communauté s'intéresse au jeu. Il y a ma chaîne. Ok, on est parti du coup pour le Ask Me Anything. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, eh bien, c'est d'une réponse de Daniel Z. Klein sur le niveau de puissance des légendes du jeu. Alors, on a Daniel Z. Klein qui a expliqué que le plan pour les futures sorties de légendes, c'est d'avoir des légendes plus fortes à la sortie que Rampart ou Loba. Il explique que c'est très difficile de prédire de quelle façon une légende sera forte ou non, parce qu'il y a beaucoup voilà, de paramètres à prendre en compte, que si même s'ils font des playtests, ils n'ont pas forcément l'intégralité des tests, peut-être des exploits qu'ils ont pu trouver sur le jeu pour jouer de telle ou telle façon. Donc voilà, en tout cas, ils essayent de faire des légendes plus puissantes, donc Horizon, c'en était un exemple, Fuse aussi. Encore une fois, Fuse, moi c'est le personnage que je joue 95% du temps quand je joue Apex là depuis la saison 8. Faut bien comprendre un truc, c'est que Fuse, c'est pas un personnage qui est surpuissant. Par contre, c'est un personnage qui est plutôt bien équilibré, aux alentours du niveau de puissance de Bengalore. Bengalore, vous la voyez pas être jouée aux AEGS, mais par contre, c'est un personnage qui est joué et qui a ses avantages. Donc je pense que l'intérêt de Respawn, c'est effectivement de sortir des légendes de ce niveau-là, déjà parce que ça donne envie aux gens de jouer cette légende, de l'acheter, de la découvrir, d'investir des skins peut-être dessus, et ça c'est cool. Donc ce qu'ils préfèrent, voilà, c'est d'essayer de rendre des légendes peut-être trop fortes pour le début de saison, pendant une semaine, quitte à la nerf rapidement après la sortie d'une saison, s'ils se rendent compte, qu'avoir une légende inutile pendant une moitié de saison. Alors je me permets quand même de rebondir sur ça. Rampart a été inutile, non pas pendant une moitié de saison, mais pendant deux saisons entières, et ça commence à peine à aller mieux. Et donc voilà, je pense qu'ils ont, ils préfèrent quand même faire des légendes peut-être éventuellement trop puissantes, plutôt que de risquer de faire des légendes pas assez puissantes et frustrantes. Ensuite, eh bien, les 120 FPS, ça va arriver dans le futur sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment envie de travailler, comment dire, peuvent pas promettre qu'ils vont le faire vraiment les 120 FPS, mais c'est quelque chose sur lequel ils travaillent et ils veulent augmenter dans tous les cas le framerate et la fluidité sur les consoles next génération, et ça c'est cool. Alors un truc qui est intéressant, c'est un post de Jay Beebs et Daniel Z. Klein au sujet des bugs qui deviennent des features. Alors petite histoire, je sais pas si vous savez, mais par exemple le bunny hop ou le strafe jump, c'est des trucs qui à la base sur Quake n'étaient pas des features, c'était des bugs, et ça a été gardé en place et c'est devenu un truc iconique dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Par exemple, eh bien, le wall jump, c'est pas une feature. C'est quelque chose qui a été trouvé par les joueurs et qui est resté du coup dans le jeu. Moi, c'est un des trucs qui, c'est minuscule hein, comme ajout, mais qui me fait vraiment apprécier le système de mouvement. Parfois, vous allez faire un move de fou furieux avec votre wall jump et vous allez être juste
trop content. On avait aussi par exemple le Bunny Up qu'ils ont dû nerf parce que c'était trop puissant, mais c'était quelque chose qu'ils auraient pu laisser si c'était moins puissant. Ou les interactions avec les jump pads d'Octane, donc je vous avais déjà fait une vidéo dessus, par exemple le fait de cogner dedans pour se propulser à la verticale, de cogner dedans et de reculer pour faire un jump en arrière. Tout ça, c'est pas forcément des features, mais c'est des choses qu'ils veulent parfois garder dans le jeu. Alors, pour l'instant, ils veulent pas modifier les wall jump sur le jeu. C'est un truc qui est intéressant à comprendre. Mais leur philosophie, au final, ça va être soit de les rendre plus faciles à faire pour tout le monde, ce que je n'espère pas, parce que déjà, c'est pas très difficile à faire. En vrai, il faut juste avoir un minimum de timing, un petit peu d'entraînement. Ou alors les retirer complètement. Et je n'espère pas. Et en fait, cette décision, elle sera prise quand ça sera une mécanique absolument essentielle à maîtriser pour être compétitif. Je pense pas que ça soit un jour le cas. Pour le coup, mais voilà, en tout cas la philosophie derrière, c'est s'il y a des trucs trop compliqués, il est possible qu'ils nerfent au final ces choses-là pour pas que ça handicape trop les gens, donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, eh bien, je vais vous parler de passif de légende. Ça a été quelque chose qui avait été dataminé il y a longtemps de ça, et en gros, au final, ça a été uniquement rajouté, par exemple, pour les légendes Recon, donc Bluehound, Pathfinder, Crypto, qui peuvent scanner des zones. On avait des passifs qui avaient été dataminés dans le passé, comme par exemple pour les classes offensives, avoir la possibilité de stacker deux grenades par slot. Et pour le coup, ils l'ont pas gardé parce qu'ils trouvaient ça trop puissant, et c'est beaucoup trop puissant compte tenu de la gestion de l'inventaire. Et au final, ils ont recyclé cette idée pour Fuse, qui devient un personnage vraiment intéressant dans son rôle de grenadier, et d'ailleurs c'est ce qui est d'excitant dans ce personnage-là. Ensuite, je vais vous parler du coup de la version mobile d'Apex. Alors, on avait eu un conference call en 2019 qui avait semblé indiquer que le développement d'Apex Mobile était en développement. Ce qui est assez intéressant, c'est que 30% des joueurs Apex à cette époque-là représentaient en fait des joueurs qui n'avaient jamais joué au jeu EA, donc sur Origin ou sur console, et à leur jeu. Donc c'est quelque chose qui leur a permis vraiment de toucher plus de joueurs. Pour ce qui est de la sortie d'une version mobile, eh bien ça serait pour l'année fiscale 2022, ce qui commencerait en octobre 2021. Et pour un jeu de cette envergure, il faut bien comprendre que les nécessités techniques vont être assez importantes. Et du coup, pour jouer à Apex Legends sur mobile, d'après cet article de Dexerto, il semblerait qu'il soit nécessaire d'avoir un iPhone 8 ou alors un téléphone Android avec un processeur Snapdragon 625. Donc voilà, c'est quand même des trucs qui ont 3-4 ans, quoi. Donc ça reste quand même accessible. Alors ensuite, je voulais vous montrer ce post-là, Reddit, de la part de Dirty Skirty, qui a trouvé un exploit pour ne pas ralentir quand il se soigne, ce qui est très très fort. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, purée, mais ça devrait être en fait le passif d'une nouvelle légende. À tel point c'est fort en vrai de pouvoir se soigner aussi rapidement, ça permet tellement de clutch des moments compliqués. Et du coup, voilà, il n'explique pas comment est-ce qu'il l'a fait, mais il veut se mettre en contact avec les équipes de développement de chez Respawn pour justement corriger ça. J'imagine que c'est un nouveau bug qui est apparu dans le jeu parce que c'est quelque chose qui n'existait pas spécialement dans le passé. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Donc voilà, si le Bunny Hop Healing vous manque, vous avez la possibilité de faire cet exploit. Bon, après, je dis ça, je rigole, hein. Je vous déconseille de faire des exploits sur Respawn. Déjà, c'est pas faire pour les autres joueurs. Et puis, vous risqueriez de vous faire ban. On va attaquer du coup maintenant le data mining, la revue de data mining. Voilà, il n'y a pas grand chose de super secret. On va parler de features qui vont arriver, mais si jamais il y en a qui ne veulent pas du tout savoir de quoi il s'agit, je vous invite à quitter la vidéo. Mais on va parler d'abord, eh bien, des Twitch Drops. Selon Schroctal, il va y avoir du coup une méthode pour récupérer des Twitch Drops en regardant des streams sur Twitch. Donc ça c'est cool, donc en gros l'idée c'est que par exemple vous regardez, je sais pas moi, une heure, une compétition ALGS sur Apex et vous allez avoir un skin exclusif en jeu, donc ça booste les vues sur Twitch généralement fortement et ça permet d'avoir un petit truc pour les gens et ça c'est cool. Alors ensuite on a un petit détail sur le prochain mode de jeu limité qui s'appelle Ring Frenzy qui devrait avoir en fait des mini rings qui spawnent un petit peu partout sur la map, en plus du premier ring qui se rétrécit. Donc ça va limiter les zones de jeu. À mon avis, ça risque d'être un mode de jeu
qui risque d'être assez intense. Moi, j'avoue que le mode de jeu que j'avais adoré sur Apex, qui était très très intense, c'était le Always Be Closing. On avait des cercles de fin, mais complètement fous. On avait tout le temps du fight, et ça, c'était très très cool. Ensuite, on a eu un petit data mining aussi de la part de Shroctal, qui a détecté en fait une commande pour les spawn kills. Sauf que bah, sur Apex, il n'y a pas vraiment de spawn kill, donc est-ce que ça pourrait être un petit indice supplémentaire pour un mode deathmatch ou un mode arène? C'est ce qu'il semble penser, et ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, je vais vous parler eh bien, de les ventes de collection de la saison. Donc on va avoir un deuxième event de collection, comme je vous l'avais dit, c'est assez prévisible. En deuxième moitié de saison, donc après le split, qui devrait être du coup un thème Warlord Chaos Theory, donc avec des skins voilà, inspirés des anciens chefs de guerre qu'on a pu connaître dans l'histoire. Au niveau des légendaires, on devrait avoir un légendaire pour Loba, Gibraltar, Caustic, Crypto, Rampart, Revenant et Watson. Rien pour Horizon, rien pour Fuse, ce que je trouve un peu dommage. Souvent les events de collection, ils mettent deux saisons avant de sortir les skins pour les persos. J'ose imaginer que c'est par rapport au développement des personnages, qui coïncide pas forcément au développement des skins ou de ces events là, ça doit être un peu... C'est pas forcément corrélé, mais je trouve ça un petit peu dommage. En Epic, on aura des skins pour Watson, Octane, pour le Wingman, le Charge Rifle, le Peacekeeper, l'Alternator, le Triple Tech. Et on va avoir du coup un Heirloom de Bangalore qui semblerait être un Kukri, donc un couteau. Ce qui va être stylé. Donc cet event de collection devrait débuter début mars. Ça me paraît short en vrai, début mars. Moi je miserais plus sur la mi-mars après l'événement de mi-saison, mais je peux me tromper. Je pense que en plus les gens vont pas forcément être très très chauds pour dépenser 140 balles deux fois de suite. En tout cas, voilà pour la découverte de ces leaks et de ces news. Je vous remercie de m'avoir regardé, mes chers bandits. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez me voir en live, c'est sur twitch.tv/wastog. Je suis en live 6 jours sur 7 pour du Apex Legends et parfois d'autres jeux d'horreur. Donc n'hésitez pas à venir me voir, et moi je vous dis à très bientôt, ciao les bandits.